Phyllis! Henry! Stop that! What do you think you're doing? You ought to be ashamed of yourselves, fighting like that. Entre deux purges, Staline se détendait en regardant Charlie Chaplin. Ses yeux étaient marron clair. Staline avait aussi une maîtresse polonaise. Celui qui écrit cela, celui qui dépeint la médiocrité d'un système qui a fait des millions de morts, Anatoli Rybakov, auteur de 77 ans, exilé et banni dans les années 30. Il a tout lu et tout su d'un dictateur devenu paranoïaque. Et Rybakov va raconter ici comment Staline a d'abord admiré son dentiste parce que celui-ci était génial, avec une adresse sans pareille pour soigner les caries. Et Staline de lui offrir des fleurs, de lui faire porter des petits gâteaux, de lui offrir aussi les honneurs. Jusqu'au jour où le pauvre dentiste a soigné aussi Rykov, l'ennemi juré de Staline. C'en était trop. Le dentiste est banni, il échappera de peu à la peine de mort. Présent sur la place rouge, Joseph Staline est mort. Chef du plus vaste empire du monde, a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne? Divinisé par ses fidèles, honni par ses adversaires, on peut dire que dans ce Staline, roman, l'homme Rybakov enterre une certaine forme du pouvoir communiste et une certaine idée de l'Union soviétique. Par lui est la l'un preuve, des pôles du monde cette façon qu'il a de décrire le petit père des peuples. Celui qui aime le pouvoir le plus, жестокий, cruel, коварный, коварный, perfide, аморальный, аморал. Лицедей, ну лицемерный. И ипокрит. Aucun qualificatif sur Gorbatchev. Aujourd'hui, à Moscou, et pas seulement à Moscou, mais à travers toute l'Union soviétique, chacun peut dire tout ce qu'il veut. Même prétendu, la transparence et la restructuration fleuron de l'ère Gorbatchev sont dans ces images. Avec 2 millions d'exemplaires déjà vendus au-delà du rideau de fer, Rybakov a écrit le premier best-seller soviétique. Ce vieil homme a au moins deux mérites. Il signe un formidable roman d'aventure, il réussit à exorciser les vieux démons de son pays.